Aucun terrain. Oh, oh putain, tu te souviens là du projet là de faire des figurines là mais écoute, oui, de faire des figurines là à notre effigie là, les ouais. YouTube là, parce qu'on a tellement de succès et tout. Mais en fait, je dois te dire un truc, c'est que ils ont pris vie. Alors comme ça, ils ont pris vie? Oui. Mais c'est du délire. Ça me pousse. Non, c'est vrai. Ouais, il a raison. Enfin, j'ai raison. Comment ça? Vous, en vie? Mais... Ouais, je sais. Bon, allez, on a un PainCube à tourner, hein, c'est pas tout ça, mais... Bon, allez, débarrasse-moi ça. T'as raison. Salut, bonjour à tous, dans quel PainCube aujourd'hui sur un PainCube qui va être très très rapide, hein. Oui voilà, sur Mario versus Donkey Kong, voilà. Sur GBA qui est sorti en 2004. En 2004, et c'est un je précise qu'on joue sur la Game Boy Advance SP. Voilà, c'est un jeu d'action, enfin non un jeu de... Faut pas exagérer quand même. Un jeu de réflexion et de plateforme. Voilà. Combine les deux, donc, ce que c'est original. Il a été édité et développé par Nintendo, comme la plupart des jeux Nintendo d'ailleurs. Il n'y a pas exactement de ni de online. Et donc, voilà. Donc, tu vas nous faire le pitch, Pierre. Voilà, alors, en fait, il faut savoir que Mario, il est très populaire et comme tout le monde, il a besoin de payer ses impôts et son loyer, tu vois, et sa bouffe aussi. Aussi, donc, voilà. Il décide, il a une idée pas très conne finalement, de créer des petites figurines qui le représentent. Donc je viens d'en attraper une là d'ailleurs. Des mini Mario. Exactement. Et de les vendre. Et en effet, ça marche très bien parce qu'il a un succès fou. Voilà. Un succès tellement fou que ses magasins arrivent en rupture en stock. Voilà. Alors que Donkey Kong lui en voulait. Et il est un peu dans la merde. Voilà. Donc du coup, lui, il va pas attendre, il est pas patient. Voilà, il va pas attendre que ça revienne en stock. Non, lui, il décide de braquer l'usine. Et donc, il va créer des emmerdes à Mario qui va devoir aller chercher tous ses petits mini Mario. Voilà. Donc comme Pierre vient de l'expliquer, on voit que c'est un scénario qui est assez bateau. Bateau, oui. Voilà. Bon, c'est du Mario. C'était nul, ça. Bon, c'est du Mario en même temps, on s'attend pas trop à ce qu'on ait un scénario de médiocre, ça suffit, avec une pointe de satire de la société de consommation peut-être, je sais pas. Peut-être. C'est nous qui sommes trop intelligents pour l'imaginer. Exactement. Voilà, alors commençons avec le commencement, c'est-à-dire le principe de jeu. Bon, c'est assez c'est simple à comprendre, hein, mais écoutez-moi bien pour pas perdre le fil des explications. Alors, dans une première partie de jeu... il s'agira de retrouver une clé et de l'amener à une porte. Parce qu'en général, quand on a une clé, c'est pour ouvrir une porte. C'est pour ouvrir une porte. Vous voyez la petite clé là-haut, par exemple. Là, vous la voyez là-haut. Ouais. Voilà. Et bien, il s'agira, en fait, de la retrouver. Enfin, de la retrouver. Bon, là, on l'a trouvée de suite. Oui. Mais dans certains niveaux, on la trouvera pas de suite. Voilà. Malgré le fait qu'on puisse naviguer dans le niveau avec les boutons L et R, quand il marche, voilà, on peut, tu vois... Ouais. Aller de droite à gauche se balader. Ah oui. Ça c'est pratique. Hein. Voilà. Ça c'est pratique, voilà. Et donc on doit aller chercher la clé. Voilà. Alors... cette clé qui va servir donc à accéder à la deuxième partie. Tout ça dans un temps limité, faut faire. Voilà, hein. Exactement. Alors là, je chope un petit marteau donc pour exploser l'huile qui m'aurait barré le. Référence à Donkey Kong. Exactement, ouais, c'est ça. Et donc après, dans la deuxième partie du jeu, il faut voilà. Saisir un mini Mario. J'y accède maintenant. Tu accèdes maintenant. Parce que là, c'était la première partie de. Tous les niveaux sont comme ça. C'est la première partie du niveau, vous avez une clé, vous arrivez à la serrure. Et la deuxième partie, il y a un mini Mario, mais vous le voyez. Voilà, il y a un mini Mario. Ici, là, vous le voyez. Il y a un mini Mario qui est enfermé dans sa bulle, comme on peut le voir. Exactement. Et voilà, il faut le...
Le secourir. Voilà, il faut le secourir, voilà, je cherchais le mot. Il faut le secourir afin de terminer le niveau, quoi. Voilà, c'est ça. Et alors, entre-temps, si vous y arrivez, vous avez des petits bonus à récolter. Les trois petits... cadeaux. Voilà, les trois petits cadeaux. Qui sont de couleurs différentes. Alors, il y a jaune... Jaune, rouge et bleu. Jaune, rouge et bleu, voilà. On peut remarquer que ce sont les trois couleurs de... Les trois couleurs de base. C'est fou. Voilà. On s'en fout. Mais d'accord. C'est pas grave. D'ailleurs, il y a un manque dans mon imprimante. Je les ai tous récoltés, là, les trois. Voilà, vous l'avez vu. J'ai fini mon niveau. Voilà. Voilà. Et grâce à ces trois cadeaux, vont vous octroyer des bonus assez intéressants. Voilà, des bonus intéressants. Donc, par exemple, vous allez le voir tout de suite. Bon, là, il y a des comptes des points qui. Ça vous octroie plus de points déjà. Mmh. Et un système d'étoiles. Et en fait, voilà, des petits mini-jeux de ce genre-là. Ah oui, d'accord. Et en fait, hop, voilà. Non, oui. Excusez-nous, mais ça crame. Ah oui, ouais, ça crame un peu, ouais. C'est bien là que ça crame. Ouais, je pense, ouais. C'est pas là-bas. Non, c'est pour une constage brune. Oui, voilà. Non, nous sommes en train de cramer, mais c'est pas grave. Ça fera du bêtisier, voilà. Ça. Donc, voilà. Alors, vous avez compris, donc... le principe de jeu, quoi. Il faut savoir que c'est un système d'étoiles. Quand vous aurez récolté vous aurez suffisamment de points, c'est-à-dire que vous aurez fait un niveau avec un bon temps et tous les trois objets, ouais. Vous aurez des étoiles qui permettront ensuite de débloquer d'autres choses, d'autres niveaux, etc. Voilà. Voilà. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Parce qu'il y en a encore. Outre les niveaux traditionnels. Encore des bonus. Non, c'est pas ça. C'est que tous les. À partir. Regardez, hop, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, c'est les 6 premiers niveaux. Mais le 7 et le 8ème, ils sont différents dans les mondes. Parce qu'en fait, en fait, vous contrôlez des mini Mario, il y en a 6. Enfin, vous les contrôlez pas indirectement, ils vous suivent en fait. Vous voyez, regardez, ils me suivent, ou que j'aille, ils me suivent à la trace. Et je dois les mener à bon port. Tout en faisant en sorte qu'ils ramassent des 3 petites lettres, toy. Pour jouer, ouais. Les anglophobes, et il faut éviter qu'ils se tuent. Bon, là c'est assez facile parce que c'est le début, mais après ça devient corsé, il y a des pics et tout. Et sachant que les mini Mario, ils ont des facultés assez limitées en fait, ils ont pas de grands sauts comme Mario, par exemple, des grands sauts comme ça là, eux ils l'ont pas. Ils peuvent pas monter aux échelles, ils peuvent ils sont trop cons pour. Exactement, ils sont trop petits surtout. Ah ouais, j'avais pas remarqué. Voilà. Voilà, parce que Mini Mario en même temps c'est pas assez explicite. Exactement. et donc voilà. Et ça c'est intéressant. Et c'est avec ce principe que se déroulera bien ce système bien rodé. Voilà. Que se déroulera la moitié du jeu. Et alors, vous avez vu le 8ème niveau où 7 ou je me perds dans mes coins, c'est pas grave. En fait là c'est encore différent. C'est Donkey Kong, c'est la fin de chaque monde ça. Il y a Donkey Kong à battre. Oui. En fait, avec à chaque fois par contre il a des attaques différentes. Là par exemple je vais l'attaquer avec des poubelles. C'est des attaques indirectes, hein, mais lui il vous attaque jamais directement, mais avec par exemple des objets qui tombent du ciel. Voilà, vous l'avez vu des fois. Ouais. Et moi je peux l'attaquer, voilà, il y a des objets là qui tombent. Ah, j'en suis pris un d'ailleurs. Moi je peux attaquer avec, là c'est des poubelles, mais des fois c'est avec des bombes, ça dépend quoi. Ouais. Le gameplay il varie, c'est jamais la même chose à ce niveau là et ça c'est bien. D'accord. Mais attention, quand il y en a plus, il y en a encore. quand vous aurez complété les 6 mondes, voilà. Dont on parlait tout à l'heure, donc ça fait 48 niveaux. C'est ça. Il y a 6 autres mondes, des mondes plus, avec un nouveau principe encore. Ouais, c'est ça. Alors, avec un nouveau principe, alors ben, je vais vous montrer ces mondes dès maintenant, parce que là, je viens de battre Donkey Kong, ça tombe très bien. Ouais. Ce Planetoon s'enchaîne très bien. En fait, on va vous montrer les mondes plus. Qui... dans ces mondes, en fait, il faut dire que c'est la difficulté se corse, forcément. Et en fait, le principe change. Parce que jusqu'à maintenant c'était la clé puis le mini Mario récolté, ouais. Et voilà. Et là non, en fait là ça change. C'est en fait un seul mini Mario qui a une clé. Alors hop, je vais y accéder de suite. Voilà. C'est un mini Mario qui a une clé en fait. Et il faut le faire avec lui en fait. Comme d'habitude vous ne le guidez pas lui-même, vous ne pouvez pas le contrôler lui-même, mais lui vous suit à la trace. Et celui qui a la clé, donc forcément pour arriver à la sortie c'est mieux de l'avoir avec vous. Ça peut servir. Ouais. Accessoirement, hein. Après moi je dis ça, je dis rien. Et ces mondes, ça varie encore le gameplay quoi. Et ça c'est sympa. C'est pas toujours la même chose et on se lasse pas. D'accord. Les environnements de jeu après. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Ouais, justement parce que là c'est vrai que bon, on a changé. Au début vous aviez vu que j'étais dans l'usine. Mais il y en a d'autres, hein.
Il y a aussi la jungle. Il y a la. Oui, bon, la... à propos de. Enfin, pour faire référence à Donkey Kong, bien exactement. Sûr. Il y a aussi la montagne de feu. La maison. La maison hantée. Je suis un peu mort là, non voilà. Oui. Bon, la maison hantée. D'ailleurs, très bien, je vais en profiter pour vous montrer les différents environnements. La maison hantée, parce que des fois on ira frapper à la porte des fantômes. Voilà. Voilà. Préciser. Exactement. D'ailleurs, il y en a un qui passe là. Ah, voilà. Ça sert à rien, ça prend, tu fais des vannes comme ça, toi. Et donc voilà, donc l'usine, là, c'est la Mario Toy Company. Ensuite, la jungle, Donkey Kong. La montagne, voilà, tout ça. La forêt mythique, mystérieuse. Voilà. Et les pièges de la ville que vous devrez affronter. Voilà. Alors, ils sont pas forcément tous issus du monde traditionnel de Mario, hein, les environnements. Mais bon, ça s'inspire quand même pas mal. C'est très bien à jouer. Et grâce au fond, les arrière-plans qui sont très détaillés. Oui, ça j'ai remarqué. Ouais. On remarque très bien. Ça fait penser aux épisodes qu'on a sur DSi. Exactement. Enfin, ouais, DS, pardon. Voilà. Sur la DSi, voilà. Voilà, mais c'est vrai que oui, on s'en fout. Et c'est vrai que oui, c'est. Non, enfin, vous pas, hein, mais. c'est pas grave, ça changera rien à l'enregistrement. Et donc voilà. Et les épisodes de... C'est vrai que ouais, les graphismes ils sont vraiment pas mal, je trouve, pour le GBA. C'est bien fait, c'est on sent qu'il y a du travail derrière. Voilà, et qu'ils n'ont pas fait ça à la post-café. Ensuite, donc, si on parlait des quelques éléments de jeu. Oui, alors il y en aura pour vous aider, et il y en aura au contraire qui vous ralentiront. C'est ça. Alors ils mettront vos méninges à contribution. Alors il y a évidemment, comme dans tout jeu de plateforme, il y a une variété extraordinaire, une variété qui se présente comme un point plutôt plaisant du jeu. Ouais. Alors on a des boutons rouges, des boutons jaunes, des boutons bleus qui actionnent des échelles, des blocs, des plateformes, des tremplins, des tapis roulants, des marteaux, comme on a de tout quoi. Voilà, de tout quoi. Voilà, mais par exemple, j'avais un niveau très développé, on s'en fout. Très développé, du genre celui-là, où vous voyez que là, ça bouillonne de partout. Regardez, il y a des trucs partout, il y a des tremplins, des fois il y a même des éclairs. Pullule. Exactement, c'est ton verre préféré en Playing Cube. Voilà. Et là, ça devient, c'est vraiment un bon mélange entre plateforme et réflexion. Quoi. Voilà. Voilà. Après, en parlant de variété, justement, on a un bestiaire ennemi qui est assez varié. Oui, qui est assez varié, ouais. Alors, on a les boues, quoi, dont j'ai parlé tout à l'heure, les fantômes de Mario, quoi. Mm-hmm. Les poubelles, oui, les poubelles qui vous attaquent, que c'est original. Faut dire qu'ils fument un peu chez Nintendo. Voilà, des bombes qui vous sont parfois utiles. Ouais, en effet, ouais, pour casser des blocs, pour vous frayer un chemin. Voilà. Des singes. Il y en a un là, alors regarde, exemple parfait, il y a le singe là, il me sert à rien, il me tue si j'y vais. Mais si je suis en bas, il peut me servir à m'agripper en fait, je peux m'agripper à sa queue. Ah ouais? Oui, voilà, et ça c'est très utile. Voilà, et donc les ennemis vous servent en même temps. Voilà, il y a une poubelle là-bas, pareil, la poubelle là, normalement c'est un ennemi, mais là en fait elle va marcher jusqu'à moi et me permettre d'attraper le cadeau. Vous allez comprendre. J'attends que la petite plateforme là, qui est à droite, revienne, voilà, hop, maintenant je n'ai plus qu'à, hop, à sauter sur la poubelle. Qui va m'amener, voilà. Enfin, c'est un ennemi qui sert. Bon. Voilà. Ensuite. Donc le bestiaire, voilà, qui est quand même pas mal. Hein. Je trouve que c'est. Enfin, moi j'aime bien. On aurait peut-être aimé plus d'ennemis du bestiaire Mario pur, mais bon. Ouais, après, c'est que subjectif. Voilà, c'est ça. Il y a des éléments amusants, morts ou vivants d'ailleurs, dans ce jeu, c'est pas mal. Voilà. Non, faut pas aller par là, je vais me faire tuer moi. Voilà. Vous voyez que voilà, j'ai eu aucun souci, donc la jouabilité. Voilà, une jouabilité qui est très instinctive, justement, comme on vient de le voir. malgré tous les mouvements que Mario peut faire, voilà. Ouais. Alors, il y a un saut simple, soit en extension, ou double, des saltos arrière, d'ailleurs, que tu vas nous montrer juste maintenant. Vas-y, ouais, un petit salto arrière, et hop, voilà. Voilà. C'est impressionnant quand même. Voilà, c'est plutôt. Il y a le saut, voilà, le saut triple, enfin voilà, c'est pas mal. Voilà. Hop, alors là, il y a des lasers, vous voyez, ça se corse, là, c'est plutôt vers la fin de la première partie. Et donc, il peut aussi attraper des. Ben voilà, je suis en train d'attraper une boîte. Voilà, d'attraper des objets, hop. Les lancer, voilà, pour exploser des blocs. Exactement. On peut aussi s'agripper à des câbles pour se balancer et atteindre des endroits plus élevés. Alors je sais, t'es mort là. Oui, je suis mort, oui. Et des câbles, s'il y en avait un, alors on va aller le voir tout de suite. Mais continue.
Et ça tombe bien parce que la Game Boy Advance est parfaitement adaptée à ce genre d'exercice. Voilà, vous voyez le câble là, hop, on en parlait tout à l'heure, ça grippait et tournait autour. Voilà. Sauf que, en l'occurrence, t'as des boules électriques dessus. Donc... Oui, bon, c'est pas la meilleure chose à faire. Ouais. Exactement. Voilà. Alors, c'est Mario, il se déplace bien, hein, c'est assez. Oui, alors, c'est fluide et c'est plutôt drôle d'ailleurs, comme on a pu le voir. Voilà, parce que malgré toutes les possibilités qu'il y a, vraiment, c'est pas mal. Voilà, on a des morts humoristiques. Oui, fait penser à Wario, ça d'ailleurs. On a des. Pas faux. On a des animations. Les animations en général sont très comiques, en fait. Oui, ben voilà, là, je viens de mourir, c'est fait de façon comique. Oui, voilà, c'est. Quand il se fait aplatir comme une crêpe par une plateforme, c'est comique. Voilà, en même temps, vaut mieux que ce soit comique, quoi. C'est ça le ferait pas trop un jeu pour gosse. Ah, voilà. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Ah oui, alors il y a aussi donc l'humour c'est vraiment pas mal, c'est fin et coloré. Voilà, c'est du Mario en fait. Voilà. Pour le terme. Voilà, pour le son, franchement, moi j'ai bien aimé, c'est des thèmes remixés, du bon vieux Donkey Kong aussi. Les bruitages ils sont très soignés et amusants, sans oublier les voix, c'est vrai qu'il y a des voix qui sont pas mal. C'est pas transcendant. Voilà, on les reconnaît quoi. C'est pas transcendant mais ça accompagne bien l'ambiance quoi. Voilà. Alors la difficulté, on va terminer avec ça. Oui, avec la difficulté, vas-y. La difficulté, disons qu'elle est assez faible au début, mais elle progresse très très vite, ce qui corsera le jeu presque d'un coup. Voilà, donc c'est un peu gênant, mais bon, c'est quand même dans l'ensemble assez progressif. mais bon, voilà, c'est sifflant quoi. C'est n'importe quoi. Non mais vous serez jamais bloqué longtemps. Il n'y a pas de frustration et ça c'est pas mal dans un jeu de plateforme. De réflexion je veux dire. Parce que bon en général on finit frustré tout là non dans ce jeu. Voilà. Ce qui fait que la durée de vie est plutôt honorable. Exactement. Voilà, une durée de vie plutôt honorable. Moi j'ai bien aimé. Voilà. Donc on va essayer pour terminer juste un niveau peut-être. Ça serait intéressant pour les gens. Oui. Voilà. Alors ben là le but en fait c'est tout simplement voilà de faire ça. Ensuite aller chercher la clé. Voilà comme on l'a expliqué. Voilà c'est ça. Vous voyez bien le principe voilà, de la plateforme réflexion. Voilà, chercher la clé. Et là j'accède à la deuxième partie du niveau. Dans laquelle il s'agit de retrouver un mini Mario. Alors je sais quoi mais à la fin on aura le temps de voir justement les mini-jeux, non? Voilà, c'est ça, c'est justement ce que je suis en train de me dépêcher pour que vous voyez avant de terminer un petit mini-jeu qui sont quand même les mini-jeux. Comment dire ? Il y en a que deux sortes en fait. Vous verrez une des deux sortes. Il y en a que deux sortes et c'est pas terrible parce qu'ils auraient pu. On aurait été en droit d'en attendre plus quoi. Voilà, mais dès que j'ai fini ça, vous allez pouvoir en voir un. Ils auraient pu en attendre un peu parce que vu qu'il n'y a que deux sortes, c'est très répétitif, c'est toujours la même chose. C'est gentil d'être à la fin de chaque niveau. Voilà, c'est ça, à chaque fois, bon, quand vous avez récolté quand même les cadeaux, voilà. Donc voilà, il y a un système de points, d'étoiles, et hop, voilà, le mini-jeu. Alors là en fait, vous voyez, il y avait deux vies, une vie et deux cas. Voilà. En fait, je dois déplacer, voilà, pour pas que Donkey Kong écrase la vie. Elle était dans lequel Le rouge, non? Le rouge, la 2. Ouais, je pense. C'est un peu mort. C'est un peu mort. Si c'était ça. Ça va vite, là. C'est pas facile. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné? Tu as gagné. C'est sur cette merveilleuse 0 app que se termine ce PlayTube. Voilà. Voilà. Donc, franchement, c'est un beau retour en arrière nostalgique, un hommage au bon vieux temps. Et d'ailleurs, aussi un hommage au premier Donkey Kong sur Game Boy, auquel j'ai eu le plaisir de jouer. Enfin, bref. Qui prouve que je vais laisser par là. Game Boy, oui. Voilà, donc vous avez le plaisir de voir la preuve que Pierre a Donkey Kong. C'est cool. Enfin, bref, qui prouve que Mario, il peut aussi s'adapter en se déclinant en d'autres trucs que la plateforme pure, sans pour autant tomber dans de la merde, quoi. Voilà, en donc, gros, ouais, pour ça. Donc voilà, c'est un bon jeu qui a un bon casse-tête en fait, prenant et captivant. Et si j'ai pas la fibre, je ferai un test, mais bon, ça reste à voir. Ouais. C'est pas si grave. Et il y a aussi des suites sur. Oui, alors il y a une suite sur DSi. Et DS. Et DS. Et le jeu lui-même est ressorti. Sur la console virtuelle, en décembre dernier. Voilà, de la 3DS. Voilà, donc vous pouvez vous le procurer sur console virtuelle si vous voulez, et c'est, franchement c'est un jeu qu'on vous recommande. Voilà. Voilà. Donc c'est ainsi qu'on termine ce PlayTube. Ah mais tiens, regarde qui voilà. Ah non mais c'est...
Non, touchez pas à ça. Non, vous n'arrivez pas à débarrasser. Arrêtez de toucher à ça. De toute façon, vous n'avez aucun droit sur nous. Vous n'êtes que des vulgaires reproductions. Vous êtes des figurines. Non. Des vulgaires marionnettes. Vous dites que ce n'est pas vous les vulgaires reproductions. Vous dites que ce n'est pas vous les vulgaires marionnettes. このおもちゃ工場から生まれたミニマリオが大ヒット、売り切れ続出。そこにあいつがやってきた。Salut, bonjour à tous. Aujourd'hui sur un film qui va être très très rapide, hein. Oui, voilà, sur Mario versus Donkey Kong, voilà. Sur GBA. Avec les boues qu'on retrouve dans... Les petits fantômes. Voilà, qu'on retrouve dans Mario. Hop, il y en a qui passe. Et donc... Les boues, préciser. Exactement. D'ailleurs, il y en a qui passe, là. Ah, voilà. Ça sert à rien, ça prend, tu fais des vannes comme ça, toi. Et donc voilà... C'est pas grave. Voilà. Pardon, voilà. Sur la DSI, voilà. Voilà, mais c'est vrai que oui, on s'en fout. Et c'est vrai que oui, c'est. Non, enfin, vous pas, hein, mais. C'est pas grave, ça changera rien à l'enregistrement. Et donc voilà. Il te met à marcher. au moment où j'arrive. Non, attends. Alors comme ça ils ont pris vie ? Bah ouais. Mais c'est impossible, c'est du délire. Alors comme ça ils ont pris vie ? Bah ouais. Non, c'est impossible, c'est du délire. Mais... Alors comme ça ils ont pris vie ? Bah ouais. Mais c'est du délire, c'est impossible. Alors comme ça ils ont pris vie ? Bah ouais. Mais c'est... Alors comme ça ils ont pris vie. Alors comme ça ils ont pris vie ? Bah ouais. C'est impossible, c'est du délire. Comment ça, vous? Alors comme ça, ils ont pris vie. Alors comme ça, ils ont pris vie? Bah ouais. Comment ça? Oh, j'essaie de me cacher. Yeah.